veía sed temedán, si quel quemó, quemano más. A vosotros llanto, creyad mí, qui cree a chacón, a no hagas. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et ça les vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes un finement plus subtil, plus élégant, plus classe que la gente masculine qui parle fort, prend toute la place. Et si j'apprécie, si docile, quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi de tout main quand tu balances ton port. De rire chacun important, se cache une femme qui l'aspire. De rire chaque être humain, c'est un mec qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien, l'avenir s'est installé et depuis vers l'urette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks et Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous en vacillons pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour ceux qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui comblent pour ses emplois et ses associés, celui qu'elles sont dans la journée et les plus grands, mais au foyer. Veillez à cette maison, c'est pour l'admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veillez à cette maison, mon aimable faiblesse. Face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veillez à cette maison, ce petit enfant, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veillez à cette maison, cette délicate démagogie.